Qu'est-ce que le congé parental d'éducation ? Le congé parental, aussi appelé congé parental d'éducation, est un congé que des parents salariés peuvent demander pour participer activement à l'éducation de leurs enfants. Ce congé fait partie des droits acquis des travailleurs. Un employeur ne peut donc pas le refuser si son salarié en fait la demande, et ce, quelle que soit la taille de la société. Le congé parental peut prendre deux formes. Un congé total pendant lequel le contrat de travail entre les deux parties est suspendu, ou un temps de travail aménagé en temps partiel. Qui peut en bénéficier ? Pour demander à bénéficier du congé parental d'éducation, les parents salariés doivent justifier d'une ancienneté d'au moins un an au sein de leur entreprise à la date de naissance de l'enfant. Cette ancienneté doit être la même dans le cas d'une adoption à la date de l'arrivée de l'enfant adopté dans le foyer. Le congé est donc utilisable aussi bien par les hommes que les femmes, qu'ils soient parents naturels ou adoptifs. Quelle est la durée d'un congé parental ? La durée initiale d'un congé parental est au maximum d'une année. Mais il est possible de le prolonger à deux reprises, sans excéder pour autant la date du troisième anniversaire d'un enfant. Dans les cas de grossesse multiple, d'enfants accidentés, malades, gravement handicapés, ou pour des adoptions simultanées de plus de trois enfants, le congé peut aussi être prolongé. Comment en faire la demande ? Le salarié doit simplement informer son employeur de son intention de prendre un congé parental via l'envoi ou la remise d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre doit contenir la date de début du congé et la durée choisie.